Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été réélu par acclamation lors du congrès historique de la FIFA qui s'est tenu à Kigali ce 16 mars 2023. Infantino entame ainsi un second mandat en tant que président de la FIFA pour les 4 prochaines années. Il s'est engagé à assurer la croissance continue du football mondial, une augmentation substantielle de la dotation de la Coupe du monde féminine de la FIFA et bien d'autres chantiers pour le développement du sport dans le monde. Well, being of course president of FIFA is an incredible honor. Être président de la FIFA est un grand honneur et un privilège incroyable. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Je suis très touché par votre soutien et je vous promets de continuer à servir la FIFA, à servir le football dans le monde entier et à servir les 211 associations membres de la FIFA. Pour la première fois de son histoire, un congrès électif de la FIFA s'est tenu en Afrique. Les travaux ont été ouverts par le président rwandais Paul Kagame. Dans son discours, le président Kagame a félicité le président Infantino pour sa réélection, le présentant comme l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le chef de l'État a touché plusieurs sujets, notamment l'interférence de la mauvaise politique dans le sport ou encore l'augmentation des équipes participant à la Coupe du monde de football. Je vous félicite de l'augmentation du nombre d'équipes participant à la prochaine Coupe du monde. Avec ce nouveau format, les places disponibles pour les équipes africaines seront presque doublées, ce qui renforcera encore l'engagement et la visibilité de notre continent. Ce qui est important, c'est le projet de continuer à développer le football en Afrique et d'ancrer ce sport sur le continent. Le président Infantino a également évoqué les changements imminents apportés aux Coupes du monde de la FIFA des moins de 17 ans chez les garçons et chez les filles, qui verront ces tournois se dérouler sur une base annuelle, ainsi que le lancement des FIFA World Series et de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, révisée à 32 équipes, dans le but de donner aux équipes de toutes les confédérations davantage d'opportunités de s'affronter sur la scène mondiale.